Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode normalement du Let's Play découvert du pack année lycée. Dans le dernier épisode, ça s'était assez mal passé, le bal de promo n'avait pas fonctionné malheureusement, donc on n'avait pas pu le tester, mais bon, comme je vous l'ai dit, il faut tester les bons côtés et les mauvais côtés d'un pack qui vient de sortir. Du coup, chose faite. Du coup, aujourd'hui, normalement, on va tester ensemble la journée d'orientation, si elle fonctionne, si c'est comme le bal de promo, bah, ça va être un petit peu relou, quoi. Voilà, n'espère pas du coup. Du coup là il est 5h et dans 30 minutes max part au travail. Voilà, il commence dans 25 minutes exactement. Au niveau de ses besoins, ça va. Oui, du coup on était samedi, donc j'ai joué avec eux pendant 3 jours. Du coup là on se retrouve avec notre petit Max. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que là il va partir au travail et qu'on se retrouve bah du coup au lycée à 8h. Ok, du coup nous voici arrivés à l'école. Donc notre petit Max, là je sais pas ce qu'il a, il est en train de rigoler. Ok, je voulais voir du coup à quelle heure c'était exactement. Du coup de midi à 15h. Ok, donc je sais pas si on aura une notification ou pas. Du coup il doit aller s'entraîner sur le tapis de course. Donc écoute, il va venir faire ça. Carla, elle doit réviser pour les examens, donc elle va faire ça. Marco, il doit aussi s'entraîner sur le tapis de course. Bah il va y aller avec son pote. Et Alicia, elle aussi, bah il y a que deux tapis de course. Donc voilà, et puis on va pas trop s'occuper d'elle non plus. Voilà, ils font leur petit sport tranquille. Tranquille là, dès le matin, c'est parfait. Dans une heure, il commence les cours. Maintenant, il doit s'entraîner sur la machine d'exercice. Et Marco, il doit s'entraîner pour les examens. Hop, vas-y. Bon, arrête, parce que là, faut que t'ailles prendre une douche vite fait, là, parce que sinon, tu vas puer en classe. Donc, ça, c'est pas cool. Et voilà, il va déjà être l'heure d'aller en cours. Ils prennent toujours 3000 ans, les Sims. Oh, horaire des cours, on n'a jamais eu ça encore. Ah si, bah si, je suis bête, c'est l'emploi du temps. Allez, après ta douche, tu vas en cours. Ok, Carla est déjà là, il y a Alicia aussi, Marco, je sais pas ce qu'il fait, arrête de réviser pour les examens. Il est dans une classe et c'est même pas la sienne, non mais je suis mort. Allez Max, t'es en retard. Bonjour madame, désolé pour le retard, tu te fais déjà repérer là. J'ai l'impression qu'ils nous ont mis des uniformes mais c'est moche. Ok, les cours sont du coup terminés, là on peut aller déjeuner. Et il y a que une heure pour déjeuner, donc on va vite aller manger. On va prendre des mini... Non, on va prendre quoi? On va prendre déjeuner de terminal. Voilà, on va prendre ça. Déjeuner de terminal. Allez, madame, merci beaucoup. Là, il en faut encore, hein. Et merci beaucoup. Il est parti où? Mais Marc vient manger à table, en fait. Venez vous asseoir ensemble ici. À part Alicia, bien sûr, hein, je précise. Voilà, comme ça, vous mangez tous ensemble et vous arrêtez de vous disperser. Oh purée, dépêchez-vous de manger, regardez, la journée d'orientation se termine dans... Allez à l'auditorium pour la journée d'orientation. Bah ouais. Ok, donc là, ça a fonctionné, parce que la dernière fois, on n'avait pas eu cette interaction-là pour le bal de promo. Donc bon, c'était un peu décevant, j'étais là en mode, mais pourquoi? Surtout que le bal de promo, c'est trop bien, tout le monde danse, on vote et tout, c'est trop bien. Là, on va juste aller voir des stands, du coup, je sais pas si ça va être aussi bien que ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Du coup, nous voici arrivés. Donc, comment ça se passe pour la journée d'orientation? Demandez des détails sur les carrières aux professionnels en visite. Ok, donc là, on doit avoir le cuisinier. Ici, on a du coup, je pense, les militaires et tout. Et ici, c'est peut-être les hommes d'affaires, je sais pas. Max, il irait plus, je pense, vers ça. Vers la cuisine, je pense. Viens demander des détails sur la carrière. Bon, du coup, c'est assez vide, hein. Après, c'est à vous de remodifier à votre façon votre auditorium, bien sûr. C'est comme le lycée. Ok, on va aussi demander des détails ici. Et on va demander des détails ici. Voilà, comme ça, on en aura trois. Du coup, quand il y a ça, pour la journée de cours... Eh bien l'après-midi on a que ça, la journée d'orientation. Ok. Ce qui aurait été cool, c'est qu'on ait une petite notif avec le descriptif du métier, ça aurait été sympa. Discutez de l'avenir avec votre professeur. Notre professeur, elle est où? Elle est là. Alors, discutez de l'avenir. On va discuter du coup avec Madame Combe. Et du coup, ça c'est bon. Et du coup là on a terminé la journée en gros, c'est ça. Là faut juste attendre 15h et la journée du coup se termine, si j'ai bien compris, c'est ça. Allez Max, va aux toilettes. Carla, je pense qu'elle va aller se laver les mains. Ils vont se bécoter dans les toilettes en toute discrétion. Voilà, un petit bisou. Il va lui faire une petite blague. Un baiser suave. Regardez-les, là, ils sont pas trop mignons. Oh là là, j'aime trop. Oh là là. Ça, c'est romantique, ça. Ça, c'est suave, ça. Waouh, cette team, c'est irrésistible. Max a un énorme coup de cœur pour Carla. Ah bah, ça, je pense qu'on l'avait compris, hein. Tu as un peu trompé Alicia pour Carla, donc ça, je pense qu'on l'a compris. On va faire des petites interactions amoureuses. Voilà, après nous, voilà, on a déjà fait notre journée d'orientation, j'ai envie de vous dire, donc il va lui faire un petit câlin. Et voilà, quoi.
Où va-t-il? Ah, il va sur les ordinateurs. Est-ce que ça m'étonne? Non, pas du tout. Écoutez, voilà. Moi, je pense que c'est ici que je vais vous laisser. Voilà, ça va être du coup la fin de ce let's play découverte. C'est peut-être que cette vidéo aura été assez courte, mais au final, on aura tout vu, à part le bal de promo, malheureusement. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, faut tester les bons et les mauvais côtés d'un pack. Mais sinon, dans l'ensemble du coup du pack, je vais vous donner du coup mon avis. Dans l'ensemble du pack, ça va. J'aime beaucoup l'ensemble. Les objets, le CUS. Alors le CUS, j'adore. J'adore, j'adore le CUS. J'espère aussi que vous avez aimé mes petits personnages. Voilà, si jamais vous voulez les revoir ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'ai remercié sur Insta, mais je vous ai pas encore remercié sur YouTube. Je voulais vous remercier pour la première vidéo qui a dépassé les 1000 vues. En 3 jours en plus, c'est vraiment énorme, c'est la première fois que ça m'arrive, du coup je suis vraiment trop 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 content et fier de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez aimé ce petit let's play découverte et que vous aurez compris un petit peu l'histoire, même si c'était pas vraiment une histoire réfléchie, avec des machinimas, tout ça. Et du coup, bah voilà, le résultat final c'est que Max a choisi Carla et pas Alicia. Après bon, je pense que c'était le choix le plus logique, hein, car bon, s'il a quitté Alicia, c'était pour aller avec Carla, donc voilà. Du coup, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi ce let's play découverte. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour commencer un tout nouveau let's play. Donc dedans, il y aura bien sûr un lycée. Mais voilà, l'histoire ne tournera pas que autour du lycée. Il y aura aussi une histoire entre mon Sims et les parents. Si jamais vous voulez faire partie de ce let's play, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait. Je recherche des personnes pour doubler. Voilà, pour du doublage. Je vous la mets du coup dans la petite i si ça peut vous intéresser. Je recherche encore des personnes. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu et ce let's play vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner car ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, c'était Théo.